Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce samedi 27 janvier 2024 pour ce YouTube Live à destination des parents d'élèves et des élèves des classes de seconde générale et technologique du lycée Louis-Vincent. Donc je me présente, je suis Monsieur Grandpierre, l'un des deux proviseurs adjoints et c'est moi qui vais présenter cette émission. Je ne suis pas tout seul, je suis entouré de différents collaborateurs et collaboratrices. Nous avons donc deux enseignants de l'établissement, M. Boyaval, professeur de mathématiques de NSI et de SNT, et Mme Arbit, professeur d'histoire-géographie, en responsabilité d'une classe comme professeur principal sur le niveau seconde. Et puis Mme Arbit intervient aussi sur l'enseignement de spécialité, histoire-géographie, géopolitique, sciences politiques. Nous avons Madame Bontempi, secrétariat pédagogique au niveau des élèves. Nous avons Mesdames Moreau et Berdou, psychologues de l'éducation nationale. Deux représentants de parents d'élèves. Et nous avons à la technique Monsieur Pereira, enseignant de l'établissement, ainsi que Monsieur Palès, proviseur de l'établissement. Alors, pour débuter mes propos, donc vous rappelez que sur la classe de seconde, nous sommes sur un palier d'orientation, d'accord ? C'est-à-dire que les élèves, ainsi que leurs familles, vont à un moment donné se positionner sur une poursuite d'études post-seconde. Il y a plusieurs possibilités. Quand on est en seconde générale technologique, on peut demander à poursuivre sur une filière générale, d'accord ? Pour laquelle nous allons choisir des enseignements de spécialité, où nous pouvons continuer sur une filière technologique pour laquelle nous allons choisir une spécialité technologique, ou alors nous pouvons demander à être réorientés sur une filière professionnelle. Voilà. Alors, au niveau des différentes possibilités, au niveau de la filière générale. Donc, qui dit filière générale dit enseignement de spécialité. Avant de rentrer dans le vif du sujet au niveau des enseignements de spécialité, la filière générale se traduit aussi par des enseignements communs. Alors, au niveau de ces enseignements communs, nous avons, alors, sur la classe de première, français, histoire-géographie, enseignement moral et civique, langue vivante A et langue vivante B, éducation physique et sportive et enseignement scientifique. En enseignement scientifique interviennent deux enseignements, un en sciences de la vie et de la Terre et un en physique-chimie. Associé à cet enseignement commun, il y a une spécificité depuis maintenant 2 ans. Les élèves qui ne prennent pas l'enseignement de spécialité mathématique sont dans l'obligation de suivre une discipline en plus dans le tronc commun, qui est donc, que sont les mathématiques spécifiques, avec un volume horaire d'1h30 par semaine. Je vais parler rapidement des enseignements optionnels proposés par le lycée Louis-Vincent et après je ferai un focus sur les spécialités. Au niveau des enseignements optionnels, le lycée Louis-Vincent propose donc l'enseignement théâtre à hauteur de 3 heures par semaine. Les élèves qui étaient en section euro, allemand ou anglais sur le niveau seconde, quand ils passent sur le niveau première générale, ont la possibilité de continuer leur enseignement en section euro, allemand et anglais. Si jamais des places se libèrent et que des élèves seraient intéressés pour intégrer cette section euro, il sera possible, au regard des places disponibles, de candidater sur la fin d'année scolaire pour intégrer cette section euro. Au niveau des spécialités, sur la filière générale, donc, il y a trois spécialités différentes à choisir. D'accord ? Alors, je vais faire un petit focus sur les enseignements de spécialité proposés par le lycée Louis-Vincent. Et je vais demander à M. Boyaval de nous présenter quelques enseignements de spécialité et Mme Arbitre, enseignante de l'établissement, de poursuivre sur une deuxième moitié d'enseignement de spécialité. Alors, M. Boyaval, je vous demande de présenter les enseignements de spécialité scientifique. Alors. Bonjour à tous. Oui, effectivement, j'enseigne les spécialités maths en classe de terminale, ainsi que la spécialité numérique et sciences informatiques, donc une spécialité que peu d'établissements proposent, en tout cas sur Metz, il n'y en a que 3.
Donc on vous propose sur le lycée Louis-Vincent. Voilà, donc les spécialités, en tout cas les professeurs de mathématiques, puisque tous vos enfants ont mathématiques, sera en tout cas présenté, si ce n'est pas déjà fait, et expliqué en tout cas sur les contenus et les attendus de cette spécialité. Et la deuxième donc, que j'enseigne, effectivement, la numérique et sciences informatiques. Alors ça a déjà dû être présenté à la majorité d'entre eux, soit par mon collègue avec qui j'enseigne, soit par moi-même, et nos collègues des sciences de l'ingénieur qui ont accepté aussi donc de présenter la spécialité, puisque les deux, avec les sciences de l'ingénieur et l'informatique, sont quand même relativement complémentaires. Il y en a un qui est peut-être plus sur le développement et la conception de produits, d'objets, les sciences de l'ingénieur, et donc le numérique qui est présent partout, hein. Vous êtes tous confrontés maintenant à de l'informatique, l'intelligence artificielle, on n'arrête pas de vous en parler. Et donc effectivement, ce numérique qui permet de commander un drone, ce genre de choses, ben voilà. Donc ce numérique, en tout cas cette spécialité, peut se coupler avec toutes les spécialités. Hein. Maintenant, on en a en classe de terminale qui font de la SES et de la NSI, aller vers des sciences cognitives. Enfin, ça touche vraiment tous les domaines. Et en tout cas, c'est pas moi qui le dis, mais c'est des sources, en tout cas liées à tout ce qui est travail et futur emploi. En 2030, 80% en tout cas des emplois qui seront proposés sont tous liés au numérique. Voilà. Donc ces spécialités, en tout cas, on vous invite aux portes ouvertes. On sera présent. Ils pourront interroger des élèves qui l'ont vécu jusqu'en classe de terminale. Et donc, en tout cas, voilà, venir découvrir aux portes ouvertes donc ce qu'on fait, ce qu'on développe. Ce sera un petit peu trop long à vous en parler. Et donc, je vais laisser ma collègue, en tout cas, elle, présenter sa spécialité d'histoire géo. Bonjour, donc Madame Arbitre. Donc moi, j'enseigne en spécialité HGGSP, qui est une spécialité centrée essentiellement sur la géopolitique, la compréhension des grands enjeux du monde contemporain, des rivalités de pouvoir entre les régimes, entre les différentes régions du monde. Et comme nous vivons dans un monde multipolaire, de plus en plus complexe, eh bien, ça donne aux élèves des clés pour comprendre voilà, le monde dans lequel ils vivent. Donc, cette spécialité a été présentée. Alors moi, je l'ai présentée dans 7 classes de seconde, et mon collègue, Monsieur Gori, va se charger des autres classes. Et une classe, c'est Madame Aériot qui va le présenter à sa classe qu'elle a en seconde. Voilà. Donc j'ajoute, moi, en tant que professeur principal de seconde, j'ai demandé aussi à mes autres collègues d'anglais, de mathématiques, de physique, etc. Je les ai sollicités pour qu'ils présentent la spécialité rattachée à leur matière, parce que voilà, il y a des choses évidemment que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. Alors concernant HGGSP, vous pourriez vous demander pourquoi choisir cette spécialité alors que l'histoire-géographie reste au tronc commun. Eh bien, c'est une optique, hein, totalement différente, des programmes aussi totalement différents. Donc nous fonctionnons par thème, ça n'est plus un découpage chronologique par exemple pour l'histoire. Donc les thèmes de première, je vais vous donner quelques exemples, vous pouvez retrouver sans aucun problème les programmes sur Internet, c'est la démocratie, les frontières, l'information, fait quelque chose sur les puissances. En terminale, on a faire la guerre, faire la paix, histoire et mémoire, on travaille aussi sur le patrimoine, les enjeux géopolitiques, donc à chaque fois on prend ce prisme-là. Et on a une démarche, voilà, totalement nouvelle, hein, puisque à chaque fois, nous ne reprenons jamais ce qui est fait en tronc commun ou sous un angle différent. Je vous donne 2, 3 exemples. Quand on aborde la guerre du Vietnam dans le thème sur l'information, on s'intéresse à la façon dont les médias présentent cette guerre et font évoluer l'opinion publique. Dans le thème histoire et mémoire, lorsque nous travaillons sur la Shoah, nous voyons comment la littérature et le cinéma se sont emparés de ce génocide et comment ils essayent de le représenter. Et on est très ancré sur le monde contemporain, puisque dans Faire la guerre, faire la paix, on s'intéresse à l'action des groupes terroristes, Al-Qaïda, Daesh. Voilà, donc voilà quelques exemples. Hein.
de thèmes que l'on aborde. J'ajoute que c'est une spécialité très porteuse pour le grand oral, parce que là, les élèves n'ont aucun mal à trouver un thème ou un sujet qui leur plaît. Voilà, c'est très très vaste, évidemment. Et dernière petite chose qui pourrait peut-être faire pencher la balance, c'est qu'en terminale, nous organisons un voyage depuis, on en a déjà fait deux, sur les plages du débarquement et les mémoriaux de la bataille de la Somme. Et l'année dernière, on était dans le bassin du Nord-Pas-de-Calais qu'on étudie dans le domaine dans le thème du patrimoine. Et cette année, on a l'objectif d'aller à Nuremberg. Voilà ce que je peux vous dire sur cette spécialité. Donc, si vous voulez retrouver les programmes plus détaillés, vous avez sur le net. Et nous serons aussi présents, évidemment, le jour de les journées portes ouvertes avec des élèves qui présenteront cette spécialité qu'ils suivent maintenant depuis 2 ans. Voilà. Très bien. Merci, Madame Arbitre. Donc, alors, nos deux enseignants, Madame Arbitre, Monsieur Boyaval, ont présenté différents enseignements de spécialité. Donc, moi, je vais revenir un petit peu sur les enseignements de spécialité présents à la carte des formations du lycée du Vincent. Et on vous projette en même temps un tableau le plus complet possible sur l'ensemble des cartes de formation au niveau des enseignements de spécialité pour la filière générale et des filières technologiques sur l'ensemble de l'Académie de Nancy-Metz. Donc au niveau du lycée du Vincent, comme l'a dit M. Boyaval, nous avons les mathématiques, numérique, sciences informatiques, sciences de l'ingénieur. Ces trois premiers enseignements de spécialité scientifique sont complétés par physique-chimie, sciences de la vie et de la terre. D'un parallèle, on fait le parallèle avec plutôt des enseignements de spécialité humaniste. Donc on a histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, sciences économiques et sociales. Et nous avons un huitième enseignement de spécialité plutôt linguistique, mais monde contemporain. J'insiste bien sur le côté monde contemporain. Donc c'est anglais, monde contemporain. Voici les 8 enseignements de spécialité disponibles à la carte des formations du lycée Louis-Vincent pour la rentrée 2024-2025. Il y a d'autres enseignements de spécialité qui existent. Un élève peut très bien demander un autre enseignement de spécialité qui n'est pas présent au lycée du Vincent, mais ça va forcément déboucher sur une demande pour la rentrée prochaine d'affectation dans un autre établissement qui propose cet enseignement de spécialité. Je prends l'exemple d'humanité, littérature et philosophie. Nous n'avons pas cet enseignement de spécialité humanité, littérature et philosophie. Votre enfant, à la fin de l'année, pourra demander cet enseignement de spécialité-là, mais avec un changement d'établissement, par exemple, nos voisins et amis de Georges de la Tour. Et là, il y aura 2 possibilités. Le lycée Georges de la Tour a de la place et l'inspection académique va affecter votre enfant au lycée Georges de la Tour. Il sera officiellement radié du lycée Louis-Vincent et inscrit au lycée Georges de la Tour. Par contre, s'il n'y a pas de place, d'accord, ni à Georges de la Tour ni ailleurs, votre enfant reviendra au lycée du Vincent, mais sera obligé de se rabattre sur un autre enseignement de spécialité que l'enseignement de spécialité humanité, littérature et philosophie. Et cet enseignement de spécialité sera forcément à la carte des formations du lycée Louis-Vincent. Je regarde mes collaborateurs et collaboratrices s'il y a des questions. Monsieur Boyaval. Oui, donc ça c'est plus pour Madame Arbitre, donc d'un parent qui demande donc vers quelles études se tourner en suivant un GGSP. Alors, les études, on a des élèves qui vont évidemment à l'université pour suivre des études d'économie, parce que souvent ils prennent AG, GSP, économie et mathématiques, ça va souvent ensemble, et ils gardent AG, GSP, SES en terminale, et ils prennent mathématiques complémentaires, donc ils vont suivre des études de droit, des études d'histoire, des études d'économie, ils font des doubles licences, voilà. Vous avez d'autres élèves qui vont vers des IEP de province, des Institut d'études politiques. D'autres, on en a régulièrement qui passent le concours de Sciences Po Paris, qui ont donc une année, on en a eu 4, qui ont intégré Sciences Po Paris. Voilà. On a aussi des élèves qui vont faire, je vous ai dit, des études de droit, des instituts politiques, des études de journalisme. Voilà, il y a quand même pas mal de débouchés. J'ajoute aussi que des fois, certains élèves gardent cette spécialité essentiellement pour avoir
déjà parce qu'elle est très intéressante, mais aussi pour avoir comment dire, une culture générale, etc. Et parfois vont vers des études auxquelles on n'avait pas toujours pensé, mais ça leur a donné, voilà, je répète, une culture générale. Très bien, merci Madame l'arbitre. Avant de donner la parole à Monsieur Boyaval, juste petite précision, hein, je vais vous montrer dans la suite de mon intervention les outils à votre disposition qui vont vous permettre à vous ainsi qu'à votre enfant de se projeter sur donc les années primaires et terminales, mais aussi se projeter sur le post-bac et notamment se poser la question, si je veux faire cette formation dans le supérieur, est-ce qu'il y a des conseils au niveau du choix des enseignements de spécialité à avoir en première et en terminale. D'accord. Donc ça, je vous donnerai des informations tout à l'heure. Monsieur Boyaval. Je reprends dans l'ordre. Donc il y avait un parent qui, a priori, demandait si c'était possible d'avoir accès à votre document avec tous les choix des spécialités. Voilà. Donc ça sera mis sur... il y aura donc un article sur mon bureau numérique. Et puis il y en a d'autres. Bah, c'est, en tout cas pour moi, a priori, sur des demandes par rapport à de la NSI. Donc effectivement, hein, NSI et SI sont très complémentaires et sont absolument pas redondants. Par contre, là, je vous conseille de garder une spécialité maths, en tout cas en troisième choix pour la classe de première. Mais on est d'accord que vous avez quand même déjà un profil qui est quand même assez orienté, soit vers des BUT d'info, soit vers des BUT qui existeraient aussi par rapport à de la SI, des classes prépa, bien évidemment, et toutes les classes prépa. Hein. Et en gardant de la SI en classe de terminale, ils ont même 2 heures de physique supplémentaire. Donc il n'y a vraiment aucun souci sur les choix de spécialité. Et j'ai effectivement cet élève, un exemple, puisqu'il y a un parent qui a posé la question sur de la NSI et de la SES. Donc effectivement, par exemple, en termes de poursuite d'études, c'est la licence MIAGE qui permet d'aller vers des sciences cognitives. Et de toute façon, l'économie va être confrontée, et l'est déjà, à toute cette intelligence artificielle qui prend des décisions sur des ordres de bourse bien mieux que des personnes. Très bien. Et donc, je précise bien, je vous conseille de venir aux portes ouvertes, déjà pour voir l'intégralité de l'offre de formation du lycée du Vincent, mais aussi pour aller interroger les enseignants qui seront là pour vous présenter les enseignements de spécialité ou les filières technologiques, pour vous projeter dans le supérieur. J'aimerais faire telle formation dans le supérieur. Est-ce qu'en prenant cette triplette d'enseignements de spécialité, est-ce que... ça va me donner des points en plus, ou ça va mettre des éléments positifs dans mon dossier Parcoursup pour intégrer la formation. Ça, c'est la première question. Et deuxième question, est-ce que je serai le mieux préparé ou la mieux préparée pour être en réussite dans cette formation de supérieur avec ces enseignements de spécialité que je vais choisir en première et avec les deux que je vais garder en terminale. Je donne maintenant la parole à un parent d'élève. C'est juste une question qui a été posée également, qui demande notamment sur les choix d'options. Si on prend art plastique, est-ce que forcément on est obligé de changer de lycée pour Georges ? Alors, je vais regarder Monsieur le Proviseur. Alors, quand on est sur des enseignements optionnels, d'accord, nous n'avons que le théâtre. Très bien. Mais nous avons des élèves qui sont chez nous en première ou en terminale, qui suivent des enseignements optionnels qui ne sont pas proposés par le lycée du Vincent, mais ils le suivent par l'intermédiaire du CNED, à distance. Alors, de toute façon, si c'est bien une option, ça ne donne pas le droit, entre guillemets, à un changement d'établissement, mais il est possible de le faire. C'est-à-dire que nous ne proposons pas toutes les options. Si vous souhaitez faire une option que le lycée du Vincent ne propose pas et qui existe, par exemple, je ne sais pas, au lycée Faber, vous pouvez demander le lycée Faber, effectivement, mais vous n'avez pas grande chance d'y être affecté quand même. Donc voilà, l'option, c'est vraiment une option. Hein. Ce n'est pas non plus quelque chose de déterminant par rapport à la suite du parcours d'orientation de l'élève. Très bien. Merci, Monsieur le Proviseur. Donc, je reviendrai après avec les outils à disposition pour vous permettre de vous projeter sur l'année de première et la construction de votre parcours post-bac. Quand on est en seconde générale et technologique, la première possibilité, c'est d'aller en première générale. L'autre possibilité, c'est d'aller sur une première technologique. Le lycée du Vincent propose 2 filières technologiques. Et je pense que là, vous devez être informé de l'existence de ces 2 formations au regard du nombre de rendez-vous de la technologie que nous avons mis en place depuis la rentrée du mois de septembre 2023. Donc nous avons la filière STI2D, sciences techniques industrielles et du développement durable, et nous avons la filière technologique STL, sciences et techniques de laboratoire, avec spécialité sciences physiques, chimie de laboratoire. Il y a de nouveau présenté
dans cet tableau présentant les cartes de formation, les établissements et les différentes filières technologiques proposées par ces établissements. Là, c'est un petit peu différent de la filière générale, dans le sens où, au niveau de l'affectation, ce sont des filières contingentées. Il y a un nombre de places. Ben, s'il y a 35 places et qu'il y a 40 élèves, eh ben, il y a 5 élèves qui ne seront pas affectés. Donc là aussi, on pensera toujours, quand on se projette sur des filières technologiques, de dire ben, si jamais je ne suis pas pris, qu'est-ce que je peux faire comme autre choix ? Et dans ces cas-là, il sera vraiment primordial de prendre rendez-vous avec une psychologue de l'éducation nationale. Donc il y a plusieurs possibilités pour prendre rendez-vous. Il existe, et vous avez été informé, la mise en place d'une page internet vous permettant de prendre rendez-vous avec une des deux psychologues de l'éducation nationale sur un créneau de présence dans l'établissement. Donc comme c'est présenté, hein, c'est à la manière de Doctolib, voilà. Et la deuxième manière, c'est directement prenant contact avec le CIO et de prendre rendez-vous directement au CIO. Et je laisse la parole à Madame Moreau, psychologue de l'éducation nationale. Oui, bah, Monsieur Grandpierre a bien tout expliqué. Je vous rappelle simplement le site que vous pouvez taper dans Google pour retrouver la page de l'agenda pour la prise de rendez-vous des parents. Donc vous tapez orientation.lycée-louis-vincent.fr, le tiré du 6. Voilà. Donc vous retrouvez sur la page de prise de rendez-vous et n'apparaissent que les rendez-vous restant disponibles. Il faut que vous mettiez votre adresse mail pour avoir une confirmation, en fait. Voilà. Très bien. Une question, Monsieur Boyaval. Oui, donc là, c'est une demande par rapport à une combinaison possible avec les mathématiques. C'est effectivement relativement compliqué de vous répondre. Moi, je ne sais pas quelles sont les intentions, en tout cas, mais les mathématiques, bien évidemment, peuvent se coupler avec n'importe quoi. Je reviens sur ma collègue avec SES et HGGSP parce que votre enfant veut aller vers du commerce et peut-être une classe préparatoire à Faber à dominante commerciale. Si maintenant vous sentez que c'est plutôt un profil scientifique, alors il ne faudra pas se tromper. Effectivement, là, il faudra faire attention. Si d'aller vers une prépa BCPST, veto, il est absolument vital que votre enfant ait choisi les trois spécialités scientifiques, maths, physique, SVT. Voilà. En manquer une en classe de première, vous aurez un nom d'office dans un dossier. En tout cas, c'est ce qui s'est passé jusqu'à présent. Et puis après, bah, vous pouvez le coupler avec de l'ASI, de la NSI. Enfin voilà, tout est possible. Mais effectivement, il faut déjà voir si votre enfant a des appétences plutôt vers un domaine scientifique ou plutôt économique. Mais en tout cas, tout est possible. Merci, M. Boyaval. Alors, par rapport à toutes ces questions, par rapport au choix des enseignements de spécialité, il y a quand même une chose à savoir par rapport à la filière générale. Le conseil de classe va émettre un avis sur le choix de la filière, hein, filière générale, technologique ou une réorientation sur la voie professionnelle, mais le choix des enseignements de spécialité pour la filière générale et reste la responsabilité des représentants légaux. Les enseignants ne vont donner que des conseils par rapport à la réussite au baccalauréat, parce que je rappelle que c'est quand même les enseignements de spécialité, c'est 40% du bac et les deux de terminale sont évalués de manière finale au mois de juin, d'accord ? Et le choix des enseignements de spécialité doit aussi se faire en fonction du projet qui est déjà plus ou moins défini, et là, post-bac. Et là, je vous donnerai des outils, et principalement deux outils, Parcoursup et Horizon 2021, qui vous permettent de répondre à vos questions. Oui, alors, au niveau des dates, donc au niveau du choix des intentions d'orientation, donc nous avons comme date, depuis le 9 janvier jusqu'au 17 février, les familles, je dis bien les familles, pas les élèves, hein, les familles doivent saisir les intentions d'orientation post-seconde. Je vais vous montrer sur quelle plateforme utiliser et comment ça se passe. Et à partir du mois de mars, du 25 mars au 13 mai, il faudra refaire cette procédure de saisie non plus d'intention, mais de choix définitif. Quand on est sur la phase d'intention, le conseil de classe peut donner trois réponses différentes. Favorable, donc là, il n'y a pas de souci. L'élève a démontré au premier, deuxième trimestre qu'il a les capacités d'être en réussite sur la filière demandée. Réservé, le conseil de classe donne le troisième trimestre à l'élève pour nous montrer toutes ses capacités et voir s'il peut aller sur la filière demandée.
et un avis défavorable, c'est-à-dire que là, le conseiller de classe estime que ça sera trop compliqué pour l'élève. Et à partir de là, on rentre dans un accompagnement beaucoup plus individualisé, avec notamment le professeur principal, le secrétariat pédagogique, un membre de la direction pour retravailler le parcours. Petite précision, pour les élèves qui souhaitent une réorientation sur la voie professionnelle ou qui demandent d'aller sur des filières technologiques, pour vraiment construire son parcours de la plus belle des manières, on met en place avec nos collègues des autres établissements des bassins messins des immersions. Je demande à aller sur une filière, une réorientation sur la voie professionnelle dans le domaine du commerce et de la vente. On va organiser une immersion pour bien que votre enfant se rende compte de ce qu'on attend des élèves sur cette formation-là. Est-ce que ça correspond vraiment à ce qu'il souhaite poursuivre? D'accord, Monsieur le Proviseur. Oui, juste un mot encore pour préciser que nous débutons la réflexion sur le choix des spécialités ou sur le choix des voies technologiques. Donc, il est normal que vous posiez beaucoup de questions, mais on va avoir toute l'année. Et le calendrier que vous avez vu à l'écran ou que vous voyez à l'écran montre bien que le choix définitif, il est fait au conseil de classe du troisième trimestre, c'est-à-dire, on va dire, fin mai, début juin. Donc, vous avez toute l'année pour y réfléchir. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut attendre trop longtemps, mais néanmoins, vous avez le temps de vous renseigner, et c'est ce qu'on va vous aider à faire aujourd'hui avec les différents outils qu'on va vous montrer. Monsieur Boyaval. Oui, donc effectivement, je rejoins Monsieur le Proviseur, en tout cas, beaucoup de questions. Alors la première, je reprends dans l'ordre, c'est donc, en tout cas, une maman qui semble toujours inquiète de savoir dans quelle mesure, je reprends le propos donc, de votre question, donc dans quelle mesure un élève peut être obligé, entre guillemets, donc de rester à Louis-Vincent si l'enseignement de spécialité de son choix est ailleurs et qu'il n'a pas de place ailleurs. Il n'aura pas le choix. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre une chose. Hein, vous allez émettre des vœux d'orientation. Ce n'est pas le lycée Louis-Vincent ou les autres lycées qui disent oui ou qui disent non. Nous n'avons pas cette responsabilité. C'est l'inspection académique qui a la responsabilité d'affecter. Et quand il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Alors comment on fait? L'inspection académique, quand nous on saisit des demandes pour sortir de l'établissement pour aller sur une autre formation, les élèves vont être classés par rapport aux moyennes annuelles de seconde. Et donc, quand j'entends des élèves dire « de toute façon, moi je vais aller en filière techno, donc j'arrête de travailler en seconde », non, elles sont contingentées. Donc forcément, il y aura un classement. Et on est sur le principe de la méritocratie, tout simplement. Madame Bontempi. Et donc, je précise pour les élèves qui souhaitent aller effectivement en première générale avec des enseignements de spécialité qui ne sont pas dispensés à Louis-Vincent, lorsque les parents rempliront le dossier, on leur demandera trois enseignements de spécialité, ce qu'on appelle de recours, dans le cas où il n'y aurait pas de place dans l'établissement demandé. Voilà. Monsieur Boyaval. Donc là, je me permets de reprendre aussi un petit peu la main par rapport à toutes les questions donc sur l'informatique ou des écoles d'ingénieurs. Donc en tout cas, si le souhait de votre enfant, c'est d'aller vers des écoles d'ingénieurs, donc en tout cas une classe préparatoire, alors bien évidemment, je ne peux pas obligatoire de choisir en classe de première donc la spécialité physique et mathématiques. Par contre, effectivement, après, vous avez le choix, que ce soit NSI ou SI. Pas de différence sur les deux, d'autant plus qu'en deuxième année, il leur sera demandé un projet en classe prépa, soit à base d'informatique, soit à base de numérique. Voilà. Et donc, conserver et d'abandonner, par exemple, en terminale, de garder maths NSI, hein, ça va être des dossiers aussi, donc d'avoir les meilleurs dossiers possibles, et d'avoir abandonné la physique, c'est pas rédhibitoire. Hein, on a envoyé des élèves, bien évidemment, à Faber, et qui n'avaient plus de physique en classe de terminale. Et donc, par rapport à l'informatique, entre la filière technologique ou la filière général avec une spécialité NSI, je dirais, moi, peu importe. Hein, ça va dépendre aussi, de ce qu'a envie de faire votre enfant. Il y a des places en BUT, par exemple. La moitié des places sont réservées à des bacs techno. Donc il y a même peut-être plus de chances d'accéder à un BUT en informatique par une voie technologique que par une filière générale qui va être, du coup, très sélective. Juste pour préciser, M. Boyaval, vous parlez des classes prépa scientifiques. Évidemment, les classes prépa littéraires ou économiques, c'est un petit peu différent. Très bien, merci. Mais en tout cas, voilà, on va accompagner votre enfant, on va vous accompagner pour essayer de répondre à l'intégralité de vos questions. Et quand on fait la différence entre filière générale et filière technologique, il n'y a pas une filière qui domine l'autre. Hein.
on va choisir, on va vous conseiller par rapport au choix de la filière générale technologique, parce que l'intérêt, c'est d'avoir le plus beau des parcours sur l'année de première et terminale. À quoi ça sert de faire le forcing d'aller en filière générale pour après ne pas obtenir les formations du supérieur que vous souhaitiez avoir, parce que Parcoursup, c'est aussi la méritocratie, et ben vous n'êtes, il y a meilleur que vous. Voilà, l'intérêt, c'est d'avoir le plus beau des parcours en première et terminale. Il y a un mode de fonctionnement de la filière technologique qui correspond mieux à certains élèves, comme la filière générale a un mode de fonctionnement qui correspond mieux à certains élèves. Mais au bout du bout, c'est essayer de construire, à la suite de ce parcours première terminale, un parcours post-bac, dans lequel, voilà, vous allez pouvoir vous exprimer et tout votre parcours de première et terminale va pouvoir être une plus-value pour votre dossier Parcoursup. Mieux vaut être grand dans la cour des petits que petit dans la cour des grands. Madame Bontempi. Oui, d'accord. Alors, une question, justement, si la filière techno s'avère une erreur d'orientation, est-ce qu'il est possible de revenir sur un bac général ? C'est le conseil de classe qui, à la fin du troisième trimestre de seconde, va émettre un avis sur toutes les filières. D'accord ? Et donc, si vous voulez, donc le conseil de classe mettra aussi un avis sur la filière générale. D'accord ? Et après, je vous dis, on change pas de filière comme ça. Il y a vraiment une réflexion, un accompagnement du lycée. Et on voit quelles sont toutes les conséquences positives ou négatives de ce genre de changement. Alors, je vais vous proposer de continuer. Alors, sur la filière technologique, comme sur la filière générale, il y a un tronc commun avec différentes disciplines qui se retrouvent dans l'intégralité des filières technologiques. Et après, il y a une spécialisation suivant la filière technologique que vous souhaitez prendre. Voilà, je parlerai de ça après. Le calendrier, donc je l'ai déjà dit, d'accord ? La procédure. Alors, la procédure, il va falloir... Alors, pour que ça soit le plus clair possible, je vais utiliser mon compte, non pas de proviseur adjoint, mais de parent d'élève. J'ai un élève en seconde, et je vais vous montrer comment ça se passe. Mais sinon, pour faire simple, vous allez faire une phase d'intention. Vous allez mettre des intentions d'orientation. Le conseil de classe va émettre un avis. Et après, il y a une saisie, à partir du mois de mars jusqu'au mi-mai, de vœux définitifs. Et là, au moment du conseil de classe, le conseil de classe mettra un avis définitif. Donc, il suffit d'aller donc... Vous tapez le moteur de recherche EduConnect, il n'y a pas de souci particulier. Ça, vous commencez à le connaître. Et là, je précise bien, vous allez aller sur ce site en tant que responsable d'élève. Vous ne prenez pas les codes de votre enfant. Ça ne marchera pas. Si jamais vous n'avez jamais utilisé vos comptes EduConnect de responsable d'élève, vous envoyez un mail, vous appelez le lycée en demandant Monsieur Palaise, on va vous réinitialiser vos codes. Mais j'attire juste votre attention qu'avec ces codes EduConnect, normalement, c'est ce qui vous permet d'accéder à mon bureau numérique et de suivre la scolarité de votre enfant, notamment au niveau du service Pronote. Donc j'espère que tout le monde a déjà au moins activé une fois ces codes parents. Mais c'est vrai que des fois, les parents, vous allez voir les notes de votre enfant par l'interface élève, sauf que là, vous êtes obligé de passer par l'interface responsable d'élèves. Donc, je saisis les codes, voilà. Donc là, on a différentes informations et je vais aller sur l'onglet à la fin, mes services. C'est la même plateforme que vous utilisez pour la demande des bourses. Voilà, c'est vraiment des choses que vous connaissez. Et je vais aller sur orientation. Et là, j'ai bien donc les quatre phases. Phase provisoire, intention, avis provisoire du conseil de classe, phase définitive, choix définitif, phase définitive, donc proposition après le conseil de classe de 3e. C'est exactement la même plateforme que vous avez utilisée l'année dernière au collège pour l'orientation post-3e. On vous dit, vous avez le choix entre plusieurs voies d'orientation possibles, d'accord ? Et on vous donne accès à différents sites qui vous permettent aussi de vous aider. Alors, j'avais déjà saisi pour mon enfant une poursuite d'études. Donc, voilà comment ça se passe. On imagine, vous n'avez pas... Donc là, cet écran-là est vide. D'accord ? Et donc, vous allez avoir donc les intentions d'orientation et vous allez ajouter une intention d'orientation. Quand on est sur la filière... Je vais revenir en arrière. Sur la filière générale. D'accord ? Sur la phase d'intention d'orientation, vous êtes obligé de saisir 4 vœux. Si vous souhaitez que votre enfant reste au lycée Louis-Vincent en première,
Et vous allez, on va vous demander 5 vœux d'enseignement spécialité, bien sûr. Et un 5e vœu vous sera demandé si jamais vous souhaitez, si jamais votre enfant souhaite poursuivre sur une spécialité qui n'est pas proposée par le lycée du Vincent. Voilà, donc moi j'ai saisi pour mon fils une première générale avec mathématiques, physique, chimie, sciences de la vie et de la terre et histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques. Voilà, et après je valide le vœu. Il n'y a pas de souci. J'ajoute une intention. D'accord ? Maintenant sur une voie technologique. Alors, je précise pour les enseignements de spécialité, l'application est paramétrée. C'est-à-dire que vous allez savoir tout de suite si l'enseignement de spécialité que vous voulez choisir pour votre enfant est présent au lycée du Vincent ou non. Donc voilà, et quand je suis sur une voie technologique, voilà, je vais choisir une première STL, d'accord, et je valide. Donc j'ai mes 2 vœux, d'accord. Je peux changer l'ordre des vœux, l'importance du rang. On va d'abord regarder le rang 1 et après le rang 2. Si vous avez une réponse positive favorable sur le rang 1 et une autre aussi sur le rang 2, quand on sera sur la phase définitive, votre enfant, on va d'abord voir si on peut l'affecter sur le rang 1. Et si le rang 1 n'y a plus de place, on ira, l'inspection académique regardera le rang 2. D'accord. Donc on peut changer l'ordre et on peut même, si on le souhaite, supprimer le vœu qu'on a fait. D'accord ? Par contre, dès que vous avez saisi un vœu, vous ne pouvez pas supprimer ce vœu unique. D'accord ? Bon, voilà. Donc, c'est des choses vraiment très simples. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la procédure de saisie des intentions d'orientation ? Le conseil de classe va avoir lieu à partir de, on va dire, la fin mars, début mi-mars, on va dire. Mi-mars, fin mars. Quand le conseil de classe aura eu lieu, vous aurez l'obligation d'aller de nouveau sur scolarité service et de prendre connaissance du positionnement du conseil de classe. D'accord ? Dans les situations où il y aura désaccord entre les souhaits, les intentions de la famille et le conseil de classe, ça va forcément déclencher un rendez-vous, plusieurs rendez-vous, avec en priorité le professeur principal, qui prendra aussi appui sur les psychologues de l'éducation nationale, sur la direction, mais aussi sur le secrétariat pédagogique, parce que c'est Madame Bontempi en tant que secrétaire pédagogique qui va coordonner toutes les procédures d'orientation, on va dire, particulières. Dès qu'on va aller sur des filières technologiques, c'est elle qui va prendre la main. Dès qu'on est sur un souhait de réorientation sur la voie professionnelle, c'est aussi Madame Bontempi qui va prendre la main parce qu'il y a des procédures administratives complexes. Et il y a un calendrier à respecter. Et quand on va demander toute poursuite d'études technologiques sur la voie générale avec un changement d'établissement, là aussi, Madame Bontempi va prendre la main. Par contre, je vous ai parlé d'immersion. On peut proposer à votre enfant des immersions sur l'ensemble des voies technologiques des lycées Messin. Je précise que normalement, les élèves, au jour d'aujourd'hui, qui avaient des questions sur les filières STI2D et STL avec la spécialité SPCL, ont dû participer à des rendez-vous de la technologie. D'accord ? Les élèves qui vont souhaiter une réorientation sur la voie professionnelle, on va aussi organiser des immersions. Par contre, il n'y aura pas d'immersion dans des établissements messins sur des spécialités non proposées par le lycée Louis-Vincent. Il suffit pour ça de... Voilà. D'échanger avec les enseignants, d'aller prendre des informations sur Internet, au pire, de rentrer en contact avec le lycée qui propose cet enseignement de spécialité pour avoir plus d'informations. D'accord ? Et vous serez amené à refaire cette saisie de vœux définitifs sur la période de fin mars, mi-mai. Toute cette procédure se fait de manière numérique. Il y a juste ce que Mme Bontempi va gérer au niveau des cas particuliers, où là, il y aura en plus une procédure papier. C'est pour ça que c'est elle qui coordonne l'intégralité des situations particulières. Y a-t-il des questions par rapport à la procédure purement administrative ? Monsieur Boyabal. Je ne sais pas si
pas si ça le rejoint. C'est, en tout cas, là, on parle de combien de matières obligatoires à choisir pour une première générale. Je pense qu'il y a peut-être une confusion entre les spécialités et les matières. Voilà. Donc, il y a un tronc commun. Donc là, vous ne pouvez pas choisir. Voilà, les deux langues vivantes que vous suivez en seconde, ce seront les deux mêmes que vous allez suivre en première. Vous allez choisir des enseignements de spécialité. À la fin de seconde, vous allez choisir trois enseignements de spécialité. Mais sur la phase d'intention, l'application est paramétrée pour vous permettre de choisir quatre enseignements de spécialité si jamais vous hésitez encore, si votre parcours n'est pas encore définitif. Je sais qu'il y a des familles pour lesquelles c'est déjà acté depuis bien longtemps quels étaient les trois enseignements de spécialité. Et bien, vous mettez le quatrième, celui qui vous déplaît le moins. Voilà. Mais ça, peu importe. De toute façon, sur la phase définitive, il n'y en aura que trois. Oui, c'est rigolo. Très bien. Alors, au niveau des personnes ressources, il y a donc l'équipe pédagogique de votre enfant, et en particulier la professeure principale ou le professeur principal. N'hésitez pas à rentrer en contact avec ces personnes via mon bureau numérique. C'est important. Venez aux portes ouvertes du lycée Louis Vincent. Vous aurez un échange particulier en tête-à-tête avec les enseignants qui ont les spécialités en responsabilité en première ou les filières technologiques. Si vous êtes intéressé par une filière technologique ou un enseignement de spécialité dans un autre lycée, donc avec un changement potentiel de lycée, voilà, vous voulez faire HLP, Humanité, Littérature, Philosophie, bah, allez profiter des journées portes ouvertes du lycée Georges de la Tour. Pour savoir les dates, il suffit d'aller sur Internet, vous mettez lycée Georges de la Tour Metz et vous aurez les dates du lycée Georges de la Tour. Oui, monsieur Boyaval. Oui, donc là, c'en était une, mais qu'on avait passé avant. C'était une demande d'un parent qui demandait le fait de pouvoir suivre maths complémentaires en classe de terminale sans avoir suivi la spécialité en classe de première. Ah. Avec donc la petite nouveauté qui s'est rajoutée. Je vous laisse répondre, monsieur. Je laisse répondre, voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, depuis cette année, et donc ça sera valable l'année prochaine, les élèves qui, en première générale qui ne prennent pas la spécialité maths, volume horaire de 4 heures par semaine, ont l'obligation de suivre dans le tronc commun maths spécifiques, volume horaire d'une heure et demie. Le fait de suivre maths spécifiques donne le droit à l'élève en fin de première de dire bah, « pour la terminale, je veux continuer des mathématiques en choisissant maths complémentaires ». J'attire votre attention sur plusieurs points. En maths complémentaires, vous avez retrouvé des élèves qui ont eu un parcours avec 4 heures de mathématiques par semaine en première et d'autres une heure et demie. Forcément, l'élève qui a suivi maths spécifique avec un volume horaire d'une heure et demie, risque de se retrouver en difficulté sur les maths complémentaires. Et je précise que les maths complémentaires, c'est une option, mais dans le cadre du nouveau bac depuis 2021, toutes les notes de l'option comptent. À votre époque, chers parents, les options, il n'y avait que les points au-dessus de 10 qui comptaient. Là, non, tous les points. C'est-à-dire que votre enfant a 5 domaines en maths complémentaires, ça va lui faire diminuer sa moyenne. Deuxième chose, c'est un volume horaire de 3 heures. C'est pas anodin. Troisième chose, il faut se poser la question. Dans mon parcours, dans mon projet de parcours post-bac, je ne prends pas les mathématiques en spécialité en première. Y a-t-il un intérêt à prendre maths complémentaires quand je veux me projeter sur le supérieur? Ça, c'est une première question à se poser. Et deuxièmement, si vous aimez bien les maths, et que bah, vous avez envie plutôt de prendre trois autres enseignements de spécialité en première, bah, il faudra juste prendre conscience qu'il va falloir vous mettre à niveau si vous voulez vous exprimer au maximum de vos capacités sur maths complémentaires. C'est vraiment une réflexion à avoir et dans l'optique du bac et dans l'optique de Parcoursup du supérieur, mais ça, je vais y venir par la suite. Autre personnel important d'établissement, les psychologues de l'éducation nationale. Et vous pouvez aussi demander conseil au proviseur adjoint. Mais première des choses, c'est professeurs principaux et professeurs que vous avez en seconde. Je me posais question sur prendre sciences de la vie et de la terre en première générale. Ben, je pose la question à mon professeur de sciences de la vie et de la terre en seconde. Hein. Très bien. Y a-t-il des questions continues? Bien. Alors, je vous avais exposé deux supports. Alors le premier qui s'intitule Horizon 2021. Ça va vous permettre en fait de faire des simulations de choix de spécialité pour la filière générale ou de choix de filière technologique
en matière de deux domaines. Alors, je choisis par exemple une première générale. Allez, on va prendre mathématiques, sciences économiques et sociales et NSI. Voilà. Vous allez avoir, voilà, avec cette simulation de trois enseignements de spécialité, vous avez des thématiques de formation, ce qu'on appelle un univers de formation et un univers de métier. Plus la barre colorée est importante, plus il y a concordance entre la thématique de poursuite d'études ou de métier avec le choix des enseignements de spécialité. Mais ce n'est pas, c'est pas parce qu'il y a cette barre est toute petite que ça vous interdit. D'accord ? Et donc là, je vais prendre par exemple ceci. Informatique, numérique et mathématiques. Et là, j'ai deux univers qui apparaissent. Un univers des formations, un univers des métiers. Je ne connais pas la signification d'un métier. Je prends l'intitulé du métier et je vais sur le site ONICEP. Et comme ça, vous allez avoir une définition du métier et de toutes ses caractéristiques. L'univers des formations, c'est quelles sont les formations post-bac que vous pouvez suivre à la suite de ce choix d'enseignement de spécialité. Et là, si vous ne savez pas quelles sont les caractéristiques de ces formations, on va aller sur un deuxième outil, ce qu'on appelle Parcoursup. D'accord ? Depuis cette année, il est possible aux élèves de seconde et de première de se créer un compte sur Parcoursup. Quel est l'intérêt de se créer un compte ? Alors, même sans compte, vous pouvez aller consulter les formations. Mais en créant un compte, ça vous permet de bénéficier de deux fonctionnalités importantes de Parcoursup, qui sont nouvelles. La mise comme favori, le fait de mettre comme favori certaines formations. Comme ça, vous les gardez en mémoire sur votre parcours seconde, première, terminale. Et ça vous permet aussi de mettre en comparaison, de faire un comparatif jusqu'à 5 formations directement sur l'écran. Et là, je vais prendre quelque chose. On a parlé de l'enseignement de spécialité mathématiques. Je prends une poursuite d'études. Donc, avant de rentrer dans le détail, donc, c'est un moteur de recherche. Hein. D'accord ? Donc, je vais mettre, par exemple, classe préparatoire aux grandes écoles, MPSI. Et je vais rechercher. Maths, physique, sciences de l'ingénieur. Tout ça, après, ça faisait... Voilà. L'importance de Parcoursup, vous avez une carte interactive comme ça. Vont être présentes en détail les formations qui apparaissent sur la carte. Donc c'est pour ça que j'ai mis CPGE MPSI. Et je vais prendre par exemple le lycée Henri Poincaré à Nancy. Je vais avoir différents éléments. Alors ces éléments-là, vous pouvez en prendre connaissance, mais ce sera surtout important quand on sera sur l'année de première, année de terminale. Quand en terminale, il va falloir faire des vœux. Mais pour vous, parents de seconde et élèves de seconde, il faut aller voir dans la formation, dans le premier onglet, il y a un intitulé, alors c'est pas le premier onglet bien sûr, c'est le deuxième, tout en bas, il y a un onglet, et voilà, information sur les parcours d'études au lycée conseillé par la formation. C'est des conseils de formation. Alors il faut traduire les mots fortement conseillés par obligatoire pour être sélectionné, mais aussi obligatoire pour être en réussite dans la formation. Je veux faire cette classe préparatoire aux grandes écoles, filière très sélective. Maths, physique, sciences de l'ingénieur, on vous dit en première générale, pour réussir pleinement dans la formation, il est conseillé aux lycéens de suivre les enseignements de spécialité mathématiques et physique-chimie, complétés d'un troisième enseignement de spécialité de leur choix. Si la formation du supérieur vous dit qu'il est fortement conseillé, vous traduisez par « je veux faire une poursuite d'études » très sélective dans le domaine scientifique et en particulier dans les maths, la physique et les sciences de l'ingénieur, je ne me pose pas de questions, c'est je prends maths, physique et après je verrai avec mes enseignants comment je peux compléter par un troisième enseignement de spécialité. Et vous avez les mêmes conseils quand vous êtes en première et que vous allez vous poser la question de vous dire est-ce que pour la terminale générale, qu'est-ce que je vais garder comme enseignement de spécialité ? Il est vrai qu'il y a deux enseignements de spécialité qui sont mis en avant comme ça un peu plus que les autres, c'est les mathématiques. On ne peut pas aller sur une poursuite d'études scientifiques sans prendre l'enseignement de spécialité mathématiques. Il faut être logique quand même. Et bien souvent, la physique-chimie, quand on est sur des filières, des poursuites d'études très sélectives dans le domaine scientifique. Après,
S'il n'y a rien qui est marqué, rien n'est précisé, ça veut dire que ce n'est pas rédhibitoire, ça ne posera pas problème à votre enfant de prendre trois enseignements de spécialité pour une poursuite d'études pour laquelle il n'y a pas de choses particulières d'indiquer par rapport au choix des filières demandées. Et ce qui est intéressant sur la filière, sur les filières présentées sur Parcoursup, vous hésitez entre la filière générale et la filière technologique. Je veux aller en classe préparatoire aux grandes écoles MPSI. J'hésite entre la filière générale et la filière technologique. Bon, on vous annonce clairement que pour aller en MPSI, 100% des candidats ont obtenu un bac général. Tout est noté. Même si vous posez des questions que vous n'arrivez pas à joindre l'établissement, bien souvent, nous, pour répondre à vos questions, on prend Parcoursup. Hein. On ne connaît pas tout par cœur. Tout est noté dans Parcoursup. Et si vous voulez vraiment mener votre réflexion encore plus loin, et là, je vais demander à monsieur le proviseur de partager Subtracker. Donc, c'est un site internet. Là, vous pouvez, en flashant le code, vous aurez accès, le QR code, vous aurez accès directement à ce site. C'est un nouveau site qui est apparu cette année par rapport aux données de la session 2023, par rapport à toutes les filières, toutes les formations de Parcoursup. On vous précise quelles sont les spécialités que les élèves avaient en terminale. Je prends PASS, la filière PASS, parcours d'accès spécifique santé. C'est une année qui vous permet de préparer les concours de médecine, dentaire, kiné, ergo, maïeutique, pharma. Donc très demandé par nos élèves de Louis-Vincent. Hein. Bien souvent, ces élèves prennent maths, physique, SVT en première et se posent la question de savoir qu'est-ce que je vais arrêter en fin de première. Et là, on vous dit... Alors, ça ne préjuge pas de votre réussite, hein, mais on vous dit 58% des candidats qui ont été pris en PASS l'année dernière avaient comme enseignement de spécialité physique SVT. 51, pardon, je l'écran un peu loin. Voilà, c'est en fait... Et ce conseil de physique SVT, c'est conseillé par Parcoursup, la formation PASS. Et on vous dit même, on vous conseille de garder physique SVT de prendre maths complémentaires. Mais à côté de ça, vous voyez qu'il y a des élèves qui ont gardé maths physique en terminale, qui ont été pris et qui vont être en réussite. Ça vous donne juste une idée. C'est sûr que si vous prenez géopolitique, SES et NSI et que vous voulez faire PASS, je ne pense pas que vous soyez dans les meilleures conditions pour être retenu, mais surtout pour être en réussite dans la formation du supérieur. L'intérêt, ce n'est pas uniquement d'intégrer la formation du supérieur, c'est d'en sortir avec le diplôme ou le concours visé. Voilà, moi je crois que j'ai fait le tour de ma présentation. Je regarde Monsieur Boyaval, une question. Non, il y a toujours une demande a priori, une incompréhension par rapport aux mathématiques, entre les spécialités ou en tout cas les enseignements complémentaires, ou donc ce qui se rajoute en classe de première. Donc je vous laisse répondre. Oui. Donc un élève qui va sur la filière générale, s'il prend l'enseignement de spécialité mathématique, il n'a pas de mathématiques dans le tronc commun. Point à la ligne. Et le fait d'avoir pris l'enseignement de spécialité mathématique avec un volume horaire de 4 heures par semaine va lui permettre de se positionner sur maths complémentaire et d'avoir les capacités d'être en réussite s'il était en réussite sur l'enseignement de spécialité mathématique en première. L'élève qui ne prend pas l'enseignement de spécialité mathématique en première est obligé. Il a, dans son tronc commun, 1h30 de mathématiques. Je dis bien 1h30. C'est vraiment la base de la base, quoi. C'est pour donner à tous nos élèves, futurs citoyens et citoyennes de l'État français, un socle de connaissances en mathématiques minimal pour s'en sortir dans la vie de tous les jours. Mais l'élève qui veut aller en formation post-bac où on a besoin des mathématiques pour y rentrer et pour être en réussite, il faut qu'il prenne les mathématiques en enseignement de spécialité. Alors après, se pose la question, si jamais il n'est pas bon en mathématiques, ben là, il va peut-être falloir retravailler son parcours, son projet, parce que de toute façon, il sera en difficulté. Voilà. Oui, donc et juste pour bien repréciser, parce que c'était aussi dans le corps du message, c'est du coup, de suivre ces maths dans le tronc commun ne vous permettent pas, bien évidemment, après vous repositionner sur maths spécialité, qui elle est à 6 heures, mais vous permettre d'aller postuler sur maths complémentaires avec la difficulté, effectivement, de suivre ces 3 heures supplémentaires de mathématiques.
Voilà. Il faut savoir qu'à la base, les programmes de mathématiques complémentaires ont été faits pour les élèves qui ont suivi la spécialité 4 heures de maths. Là, c'est seulement la deuxième année qu'on donne la possibilité, mais avec un volume horaire d'une heure et demie par semaine en première, vous imaginez bien qu'il ne peut pas être en mesure d'avoir développé tous les prérequis nécessaires pour être en réussite sur les maths complémentaires. D'autres questions ? Oui. Il y a une question sur quelle voie privilégier pour ceux qui souhaitent s'orienter vers le domaine de la médecine. Alors là, c'est assez simple. C'est une question très simple. Hein. Au jour d'aujourd'hui, pour intégrer PASS, donc Parcours d'accès spécifique santé, c'est une des deux manières de préparer les concours de médecine. Et forcément, un bac général. Même si des fois, l'année dernière, on a eu un élève de STL qui a été pris. Mais après, de STL, donc première technologique. Mais en tout cas, ce que la formation du supérieur conseille, c'est bac général. En première, maths physique SVT. En terminale, là je le dis, physique SVT et maths complémentaires. Alors si vous voulez bien, on va prendre quelques moments pour vous parler des éléments complémentaires à ce choix d'orientation. Et je vais te laisser évoquer le SNU. Ça vous permet de prendre le temps de poser vos questions dans les commentaires de YouTube ou sur l'adresse de courriel. N'hésitez pas à le faire. Et puis, on fera une dernière salle de questions après ces présentations. Voilà, on va parler du SNU, 2 minutes, et puis après, quelques éléments complémentaires pour les outils. Bien. Alors, comme vous avez pu l'entendre lorsque Gabriel Attal était encore ministre de l'Éducation nationale, cette année, les élèves de seconde vont devoir donc effectuer un stage de 2 semaines complètes, un stage d'observation en entreprise, du lundi 17 juin pendant jusqu'au 28 juin. Voilà. Donc c'est un stage obligatoire qui sera piloté par l'établissement, c'est-à-dire qu'il y aura une convention, comme votre enfant a fait son stage en entreprise en troisième, et ben on duplique ce fonctionnement en seconde, mais c'est sur 15 jours, d'accord ? Mise en place de convention avec tout un principe, on vous expliquera comment ça va fonctionner, mais la convention, c'est le lycée qui va le donner, il y aura un système de signature, hein, qui signe en premier, qui signe en dernier. Ça sera aussi coordonné par l'équipe pédagogique. Voilà. Il y a des motifs dérogatoires à ce stage de 15 jours. Le premier motif, c'est le SNU, Service National Universel. Les élèves qui s'inscrivent dans ce dispositif, voilà, peuvent remplacer ce stage de 15 jours en entreprise par le stage de cohésion dans le cadre du SNU. Il y a différents éléments, différentes actions qui ont été réalisées par le lycée pour vous présenter le SNU aux élèves, mais aussi à l'ensemble des parents via la chaîne YouTube du lycée du Vincent. Vous avez de présenter un flyer avec un QR code à flasher si vous voulez avoir plus d'informations. Mais en tout cas, c'est bien une démarche de la famille par rapport à l'inscription au SNU. Vous allez sur Internet, vous mettez SNU et vous avez toutes les informations pour vous inscrire. Il y a différentes étapes dans le SNU, en plus de ce stage de cohésion. J'attire juste votre attention que faire le SNU, ça peut apporter un élément positif au dossier Parcoursup de votre enfant. Il y a des formations du supérieur qui tiennent compte de toutes les activités extrascolaires, qu'elles soient sportives, culturelles, artistiques, ou de l'investissement de votre enfant dans le milieu associatif, et le SNU en fait partie. D'accord ? Ça, c'est une première des choses. Et l'autre possibilité, et là, je regarde M. le proviseur, je ne dis pas de bêtises, on peut, entre guillemets, échapper au stage de 15 jours si jamais il y a un projet de séjour linguistique. Et là aussi, organiser, gérer de manière privée, personnelle pour vous, hein, mais si votre enfant, vous avez prévu de l'envoyer aux États-Unis pendant 15 jours pour parfaire son anglais, ça peut être, c'est dérogatoire à ce stage de 15 jours. Voilà. Voilà, donc vous avez encore d'autres outils, effectivement, pour vous aider dans ces différents choix. Vous avez, je le répète, toute l'année
pour réfléchir avec vos enfants, pour discuter avec eux, pour évaluer avec eux le meilleur choix. Vous avez toute l'année pour y réfléchir, pour vous connecter aux différents sites qui sont quand même vraiment complets. On vous a présenté le CIP Subtracker, par exemple, qui vous donne les informations statistiques sur le nombre d'élèves qui va dans telle ou telle formation en fonction des spécialités ou en fonction de la voie technologique. Parcoursup, vous inscrivez, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et vous avez des outils comme Orientest. C'est des outils qui sont fournis par la région Grand Est et qui permettent effectivement de mieux connaître les métiers, parce qu'il y a aussi quelque chose d'important pour vos enfants, c'est de réfléchir à un futur métier. On leur a demandé d'ailleurs de réaliser une vidéo de 3 minutes sur la présentation d'un métier. Eh bien, c'est l'idée simplement... Alors, c'est pas forcément le métier qu'ils vont faire, mais c'est l'idée de réfléchir à ce que c'est qu'un métier, quelles sont les compétences qu'il faut avoir pour tel ou tel métier, qu'est-ce qu'on aime, est-ce qu'on aime bien être dehors, est-ce qu'on aime bien être dans un bureau, est-ce qu'on aime bien être en contact avec des gens, est-ce qu'on aime bien être tout seul. Voilà, beaucoup de choses qui permettent aussi de réfléchir, non seulement sur les formations et les choix de spécialité qui sont là vos choix immédiats, mais demain, sur le métier qu'on pourra exercer en fonction des choix qu'on vient de faire. Donc n'hésitez pas à trouver ces différents éléments de choix. Il y a Horizon 21 que monsieur Grandpierre vous a présenté sur les spécialités, sur les voies technologiques. Là aussi, vous avez eu beaucoup d'informations. Moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube du lycée, puisque vous aurez un nombre incalculable de vidéos sur les différentes formations, les métiers, les contenus de formation qui sont proposés. On en refera d'ailleurs encore. Et on vous invite aussi à découvrir toutes les spécialités et toutes les formations proposées par le lycée le jeudi 22 février, jour porte ouverte, enfin soirée porte ouverte, puisque la soirée commence à 16h. Et vous aurez aussi l'avantage de pouvoir découvrir les métiers de l'énergie, puisque nous aurons une grosse opération sur les métiers de l'énergie avec EDF et la marine, qui vous sera proposée tout au long de la journée et qui vous permettra de rencontrer des professionnels. Voilà, donc beaucoup de choses que vous pouvez faire dès maintenant. Vous avez, encore une fois, ne vous inquiétez pas trop sur vos choix aujourd'hui, puisque les choix que vous allez faire maintenant sont des intentions, ce sont des choix provisoires sur lesquels vous allez avoir des avis, des conseils de classe ou des professionnels de l'orientation que sont les PsyUN. Donc n'hésitez pas, prenez le temps. Et encore une fois, les choix définitifs, c'est le conseil de classe du troisième trimestre, donc c'est au mois de mai que vous aurez à les faire, donc il y a encore un petit peu de temps, et même s'il y a encore des erreurs après le mois de mai, ne vous inquiétez pas, on sera toujours là pour essayer de répondre à vos différentes questions. Je ne peux pas lire en même temps, madame, bon tant pis, mais ce n'est pas grave, vous posez la question si vous voulez. Merci à vous, peut-être un mot de conclusion, ou des questions encore. Il y avait encore une question, monsieur Boyavan. Il y en avait, en tout cas, je pense que vous avez vu la même, c'est est-ce que les 15 jours de stage peuvent être remplacés par des cours au lycée? Alors malheureusement, effectivement, nous avions proposé dans les années précédentes des opérations qui nous avaient semblé être très intéressantes, puisque nous proposions pendant 15 jours aux élèves de faire des cours liés aux spécialités qu'ils avaient demandées. Donc, par exemple, un gamin de seconde qui avait demandé une spécialité SI, ben, il avait quelques heures de SI pour voir si effectivement ça lui convenait bien et c'était le bon choix. Cette année, nous ne pourrons pas le faire puisque notre ministre... En tout cas, le Premier ministre maintenant et ex-ministre de l'Éducation nationale a choisi de rendre obligatoire ces stages. Et donc, nous ne pourrons pas assurer des cours en parallèle de ces stages. Monsieur Boyer, et donc, toujours en lien avec ce stage, donc une demande, est-ce que c'est le lycée qui va proposer un séjour linguistique? Alors, le lycée ne proposera ni d'entreprise pour les stages, ni de séjour linguistique. C'est à vous de découvrir les entreprises qui pourront vous recevoir, et ainsi que de trouver éventuellement les associations, organismes qui vous permettront de faire un stage linguistique. Il est sûr que... au lycée Louis Vincent, nous avons déjà 450 élèves de seconde qui vont devoir trouver un stage. Mais si on prend le lycée d'à côté, ben, il y a 450 élèves de seconde aussi qui vont devoir trouver un stage. Ça fait 900 élèves dans 400 mètres de périmètre. Bon, ça va être un peu difficile, je pense, de trouver les entreprises. Et puis, vous imaginez bien que tous les élèves de seconde vont faire cette même démarche. Alors, sachez quand même que le ministre d'époque de l'Éducation nationale, donc Gabriel Attal, a pris contact avec son collègue de l'industrie pour faire en sorte que les industriels puissent ouvrir grandes leurs portes aux élèves de seconde.
Bon, ils auront à ouvrir grande leurs portes aux élèves de seconde, aux élèves de troisième, aux élèves de BTS, aux élèves de classe d'ingénieur. Mais ma foi, les entreprises sont grandes et les portes de ces entreprises grandes ouvertes. Donc ça sera toujours une possibilité pour les élèves de trouver une solution en entreprise. Encore une fois, voilà, l'idée, c'est de faire le maximum pour faire un stage intéressant. Vous avez déjà connu ça, je crois, un petit peu en troisième. Hein, vous avez peut-être eu des difficultés à choisir le stage d'immersion en troisième. Voilà, là, l'idée, c'est effectivement de travailler sur un métier et la formation que les élèves pourraient faire. Une autre question. C'est juste de rappeler la date du stage qui a déjà été donnée. Lundi 17 juin au 28 juin. Une autre question, le SNU est-il préférable en seconde ou en première ? Alors, le problème du SNU en classe de première, c'est que la classe de première est une classe à examen, déjà. Donc, il y a forcément des périodes pas possibles. Et puis, il y a un âge limite. Hein, bon, tout ça, là, c'est plutôt priorité à seconde. C'est... Maintenant, le SNU, c'est troisième ou seconde. Voilà. En première, par contre, bon, ça serait que des cas exceptionnels, vraiment, donc troisième ou seconde. Je rappelle d'ailleurs qu'il risque d'être aussi rendu obligatoire, mais pour l'instant, il est bien optionnel. Une dernière, si c'est possible, c'est de... Alors, la question était... Pardon. Scinder le stage, oui. Alors, scinder le stage sur plusieurs entreprises, il n'y a priori pas de difficultés particulières. Bon, après, il faut voir l'intérêt de la chose, mais de faire deux fois une semaine, pourquoi pas, hein, je veux dire, c'est pas interdit de faire deux fois une semaine. Donc, vous aurez les conventions qui vous seront distribuées, comme M. Grandpierre vous l'a dit, très rapidement. Et ensuite, si effectivement vous prenez deux entreprises, ben, vous aurez besoin de deux documents qu'il faudra signer deux fois, qu'il faudra repasser, etc. Voilà, mais ne vous inquiétez pas, c'est possible. Et encore une petite dernière question. Et après, c'est la dernière. Le stage peut-il être fait à l'étranger ? Alors, a priori, les stagiaires peuvent effectivement être à l'étranger, ne serait-ce qu'au Luxembourg, par exemple. C'est pas impossible. Après, il faut juste regarder les problématiques d'âge. Je crois qu'avant 16 ans, ça peut poser peut-être des problèmes. Il faut qu'on regarde. Mais voilà, en tout cas, c'est possible, c'est pas interdit. Monsieur Boyerval. Oui, donc peut-être une dernière qui est intéressante, c'est faut-il produire un rapport de stage ? Alors certainement, il faut produire un rapport de stage. Alors le problème, c'est que ce sont les deux dernières semaines de l'année. Donc le rapport de stage va devoir nous être envoyé. Bon, il sera certainement vu l'année d'après, c'est l'année de première, hein, parce qu'on n'aura pas beaucoup l'occasion de pouvoir analyser ce rapport de stage. De la même façon, une visite de stage sera organisée durant ces 15 jours. Ben, il faut quand même qu'on puisse avoir une visite ou au moins un coup de téléphone, parce que je rappelle que les enseignants, à cette période de l'année, sont dans les examens et corrigent leurs copies. Néanmoins, voilà, on essaiera de faire au moins un contact avec les entrepreneurs pour savoir si ça s'est bien passé. Très bien. Merci, Monsieur le Proviseur. Mais écoutez, sur ces belles paroles, je vous souhaite un très beau week-end, ensoleillé, a priori. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une belle fin de journée. Et à très bientôt. Au revoir. Merci.